Le jeu qu'ils ont fait à Sifour, franchement, est très, il est beau à regarder, mais très très dur à jouer. Parce qu'il y a des très grosses pierres, il y a beaucoup de mauvaises frappes. Il y a des endroits, c'est mou, c'est dur. Bon, on vient de remporter contre la partie de Philippe Quintet. Ça a été très un peu dur. On a, je pense qu'ils ne sont pas très bien rentrés dans la partie à la pointe. Nous, on a mieux, beaucoup mieux pointé. On a frappé les bonnes boules et c'est ce qui a fait la différence, je pense. On va dire qu'on a joué tous les trois ensemble et eux, non. Et exactement, ça a été une revanche. En plus, on perdait, on gagnait 9 à 2, je crois. Là, bon, c'était pareil, on menait 9 à 2, on a perdu une main de 3, ça a fait 9 à 5. J'ai commencé à me dire, oulala, je pense qu'ils vont nous refaire la même remontada. En plus, on les connaît que eux, quand on les tue pas d'un coup, c'est eux qui nous tuent à la fin. Ben, écoutez, on va essayer de remporter cette étape. On en a grand besoin, ça nous ferait du bien. Voilà, donc je pense que sur les trois étapes, ça va se jouer dessus, en comptant celle-ci. Enfin, les deux dernières, puis celle-ci, pour essayer de leur passer devant. Et ouais, je tenais à remercier Villa Prisme aussi, qui sont en partenariat avec nous, qui nous suivent, ça fait déjà 2-3 ans. Je tenais à les remercier, ainsi qu'Aldera au but et Peugeot, Autosphère Avignon. Voilà, merci pour leur confiance.